Mesdames et messieurs, bienvenue ici au Surulere Stadium pour cette finale qui oppose le Cameroun au Nigeria. On se souvient qu'en 1984 et en 1988, les Camerounais avaient gagné face au Nigeria pour les Tchéquiens. You know that Cameroun beat Nigeria in 1994 and 1988. And like French say, jamais 203. We think that today Cameroun will win this match. Djedjé Okocha qui donne la balle là-bas, Nwankwo Kanu, Stephen Keshi, Nwankwo Kanu pour Djedjé Okocha. Djedjé Okocha qui avance, intervention magistrale de Raymond Kalankongo, ce jeune homme de 26 ans qui joue en Allemagne. Là, il a fait parler son talent en stoppant énergétiquement Djedjé Okocha. Djedjé Okocha qui s'avance, ah là 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 là, c'est une faute à ne pas faire à l'entrée de la surface de réparation. Là, Kalankongo a séché Djedjé Okocha et c'est un coup franc dangereux quand on connaît la force de frappe du joueur du Nigeria. Ah là là là, j'aimerais pas commenter ça, faut le checker. Didier Okocha take the ball. Didier Okocha. Didier Okocha. Didier Okocha score. Cameroun 0, Nigeria 1. Vraiment, tout est à refaire dans cette équipe nationale. Je crois que là, ce qu'on disait, faut le checker. Il faut injecter du sang neuf. Parce que là, c'est pas une faute à faire quand on connaît la force de frappe de Didier Okocha. Franchement, là, il y a tout à refaire. Et les Camerounais qui prennent la balle. Je vois là-bas Patrick Mboma pour Eto. Eto qui envoie là-bas pour Maya qui remet Eto. Mboma inside derrière. Mboma inside derrière. Ah, Mboma miss this goal. Mboma miss this goal again. Mais c'est ce que je te disais, Fonet Tchekier. Chaque fois que toi, tu dis ton inside area, les Camerounais ne marquent pas. Donc, il ne faut plus dire c'est inside area là. Mboma qui remet Eto. Eto take the ball. Eto pour Mboma. Mboma to Eto. Mboma inside the area. Mboma. Goal! Cameroun score! Cameroun score! Cameroun 1! Nigeria 1! Et je crois que tout Yaoundé est en train de revivre ce match-là. C'est la joie et l'espoir renaît dans le camp camerounais. Les Camerounais qui viennent d'égaliser. Tout est à recommencer. Et je crois que l'espoir est né. Il faudrait checker. Et oui, les 120 minutes viennent de s'écouler. Cameroun 1, Nigeria 1. On va aller à l'épreuve de tir au but. Là, avec le penalty raté des Nigérians, c'est le dernier tireur du Cameroun. Et qui va le tirer, c'est Rigobert Song, le capitaine des Lions indomptables. Rigobert Song qui avance sur le ballon. Rigobert Song, il a fait un match formidable. Il sait qu'au bout de ses pieds, c'est le troisième trophée des Lions de Notable. Rigobert Song qui respire, comme tout le Cameroun respire également. Rigobert qui avance, il avance, c'est Dieu de Fin des Nations avec lui. Rigobert Song qui tire à la vue. Tais-toi. Voyou. Cameroun est champion d'Afrique, même si les gens refusent de le reconnaître. J'imagine la joie à Yaoundé. J'imagine la joie dans toutes les provinces. Le Cameroun est champion d'Afrique. Tantine, tu ne connais pas la nouvelle. Il y a quoi? Blandine est partie en bain hier soir avec son blanc. Ne me dis pas ça. Blandine. La même fille qui se fait souvent avec nous aussi, bien. Exactement, Yenga. Elle est déjà en bain à l'heure où je te parle. Et je dis, les blancs sont même comment? Une laide chose qui n'avait que la peau sur les os. Alors qui allait nous autres comme ça? Ça peut me regarder un peu le matériel. La beauté est relative. Et chacun a ses goûts. Tantine, c'est parce que tu ne connais pas la personne, Tantine. Tantine aime bambou, hein. Une baguette de spaghettis comme ça. En plus, elle ne savait même pas manipuler son ordinateur. C'est nous qui les disons. Tantine, une fille qui est venue hier et trouvait déjà un blanc. Mais nous autres comme ça, là, tout notre argent, il passe depuis des années. Vraiment, Tantine, la vie est injuste. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Et ce qui est à toi est à toi. Il ne faut pas envier les maris des autres. Il faut attendre le bon moment.
j'attends, les autres ne font que partir. C'est pour ça, Tantine, que moi j'ai décidé, depuis 2 semaines, je ne vais plus au cyber. Il ne faut pas te décourager. C'est au bout de la persévérance qu'il y a la gloire. Je dis, on fait même comment pour trouver un bon blanc? Le bon blanc, on ne le cherche pas. Il vient seul. Ma copine, donc tu viens monter les trucs au bon gars. N'est-ce pas que je te demande de m'aider à trouver un bon gars, tu refuses? Eh que, vous aimez chercher loin ce qui est à côté de vous. Vous êtes toujours comme ça. Hein? Eh ma copine. Oh pardon, ne me touche pas quand on parle des choses sérieuses comme ça. Eh que, donc moi je ne suis pas sérieux alors, c'est ça. Je dis hein, tu me négliges ici dehors. Moi, Mola l'international de Mbouamanga. Eh! Je suis le seul ici en Mbouamanga qui trouve les blancs aux petites. Est-ce que tu le sais? Y'a quoi? Mako! Oh! Et Yenga! Je suis venu te voir parce que tu n'as pas payé ta dernière tranche d'électricité. Ouais, Tolambo. Tu fais comme si je n'avais jamais payé. La marchandise ne passe pas ces derniers temps. Patiente un peu. Je patiente quoi? Tu ne payes pas, la sonnelle te coupe. Est-ce que la sonnelle patiente? Pardon, repasse après. Que je vende au moins un peu. Alors moi, je m'en vais débrancher ton fil. Quoi? Je débranche ton fil. Débranche. Débranche ton lambo. Débranche. Ouais. Débranche. Voilà, papy. Il n'est pas allé à l'université cette année par manque d'argent. Son frère fait les enfants là-bas. On vient me les laisser. Sa soeur là-bas, c'est moi. Je dis à ton lambo. Quand mon mari vivait, tu pouvais me voir ici devant toi. Tu pouvais me voir. Comme si cela ne suffisait pas, tu viens ajouter ta part de problème. Voilà. Prends tout ça. La mère, est-ce que c'est moi qui ai tué ton mari? Mais ma copine, c'est comment? Les choses avancent comment? Moulin. J'ai déjà tout essayé, mais rien ne marche. Où on m'a vendu au village, je ne sais pas. Je suis dépassée.
Lève-toi, j'ai une idée. Positionne-toi. Dis donc, attrape bien le sein là, c'est comment? Attrape ça bien. Maintenant, tu vas bien l'écarter pour qu'on voit le truc. Moi, là, c'est obligé qu'on fasse la position si. Vous, les Camerounais, vous aimez trop l'histoire du sexe là. Ouais, donc c'est un Camerounais que tu montais les trucs tout à l'heure. Ouais, c'est comment même? Disons, écarte pour qu'on voit bien, c'est comment? Dis donc, le truc là est costaud, hein? Eyenga, tu dors encore? Tu es rentrée hier à quelle heure? Je suis rentrée à 21h, tantine. Pitou m'a appelé hier soir pour me dire qu'il lui fallait déjà l'argent pour le dossier du bac et le BPC pour Sidoine. J'étais obligée d'aller à l'internat tôt ce matin. Et il a fallu aussi un peu d'argent de poche, tantine. Bats-toi, ma fille! Je t'ai gardé un peu de zomière et 2000 francs. Merci, tantine. Ça va t'aider. Merci. Oui, Mola. À la maison. Tout de suite là. Ok. D'accord, j'arrive. C'est comment? Tu as pris l'hélicoptère ou quoi? Pardon, tu me disais quoi tout à l'heure? Je crois que notre séance photo a porté ses fruits. Tiens, regarde. Voilà alors un gars qui meurt pour toi, la magie seulement. Depuis qu'il a vu tes photos nues sur internet, il n'arrête même pas d'appeler. Mais il n'a pas une photo entière? Non. C'est la seule photo qu'il y a dans son profil, mais c'est pas grave. Et puis, hein, je vais te dire, ce type n'est pas un petit type. Le gars est ingénieur. Oui, mais le tout n'est pas d'être ingénieur. Il faut qu'il ait aussi les trucs. Ah, toi tu as déjà vu un ingénieur qui n'a pas les trucs, toi aussi. Mola, il n'est pas malais. Hé, hey, Yinga. Hé, hey, Yinga, tu me négliges. Moi, Mola, de moi, Manga, tu me négliges. Oh, hey, Yinga. C'est même depuis le matin que le gars voulait causer avec toi. C'est moi qui lui dis que non. Attends 13 heures. Parce qu'il savait que tu devais être libre à ce moment-là. Donc maintenant où tu es là, sache une chose, c'est qu'à tout moment, le gars peut t'appeler.
Yenga. Mais je fais même tout ça. Il n'y a même pas de merci. Merci, Moula. C'est quel merci, Mancho, que tu m'envoies comme ça? Le vrai merci, c'est que tu me donnes le truc avant que ton gars n'arrive. Moula, ne commence pas avec tes choses-là. Oh, tu me dois bien ça, c'est comment? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, merde. Oh. C'est lui, c'est lui. Allô? Oui, je m'appelle Yenga. Oui. D'accord. Ah, tu arrives bientôt? Oui. Yes, il est dedans, il est dedans. Toi, tu me négliges, moi Mola. Pourquoi tu me négliges, Yenga? Pourquoi tu me négliges, moi Mola de Mwamanga? Mola, je ne te néglige pas. Mola, tu mérites quand même un bisou. Ah, c'est comment? Ah, Yenga, c'est comment? C'est comment, non, maman? Ma copine, qu'est-ce que j'entends là, ma copine? Ma copine, tante Rue m'avait raison. Hey. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Ouvre. Hein? Il s'appelle Jean-François. Wow. Et il est ingénieur. Oui, ma copine. Qu'est-ce qu'il est beau. Ma copine, il a quel âge? Ah, il n'a que 59 ans. Oh, mais 59 ans, c'est jeune. C'est jeune. Hey. Ma copine, elle arrive quand? La semaine prochaine. Hey! Ma copine! Il dit qu'il n'a pas assez de temps. Il dit qu'il veut m'épouser là, 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 là. Ma copine! Il lui a dit d'envoyer un peu les trucs pour les préparatifs. Hey! Ma copine, ça va aller très vite. Hey! Ma copine, ne m'oublie pas seulement. Hein? Ma copine, tu sais, l'autre jour, quand on se promenait là, je t'ai montré un ensemble. C'est ça que je veux pour ton mariage. Oui, ma copine, laisse d'abord qu'il envoie les trucs. C'est l'habillement que tu veux voir. Ma copine. Hey. Oh. Wow. Hey. Oh là là. Ma copine. Oui, ma mère, ma tonton, tu arrives quelque temps, il faut que tu arrives, il faut que tu envoies. Jean, ce qu'on pouvait t'apparaître. Oui, chérie. Oui. 4. Les bons comptes font les bons amis.
Allez, on va où maintenant? Mais préparer l'arrivée de notre invité. Hey Yenga! Ah, pas personne! Non! Okay, c'est comment? Y'a quoi? Je le garde à la maison ou je la porte ici. Garde-le d'abord là-bas. Papi, posez le canapé de ce côté. Papi, j'ai dit de poser le canapé de ce côté. On va mettre là-bas, joue là-bas. J'ai entendu. Tu as entendu, c'est ce que tu es en train de faire. Je tiens. Hein? Tu parles fort, Jean, qui est ton enfant ici? Toi, tu es trop têtu, hein? Je suis têtu, hein? Je suis têtu. Ok, ça va. Alors, je suis têtu, c'est comment? Ouais, papy, laisse aussi. On n'a plus assez de temps pour les préparatifs. Il faut lui dire, hein? Il faut lui dire, pas être mal aux gens. Et pas être mal aux gens. C'est toujours pour le blanc. Il arrive à quelle heure? Cet après-midi, tanti. Je n'allais même pas accepter. Bonjour Bombo, moi c'est Mola, je suis le grand frère de Yenga. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Merci. Bonjour Yenga. Tout le pays est venu vous accueillir. Ça c'est une surprise. Bombo, elle c'est Tanterine. Wow. C'est la tante merci, de Yenga. Merci, merci. Elle c'est Carole, la meilleure amie de Yenga. Papi, lui c'est papi, va prendre le sac là-bas. Bombo, donc je disais que... Ma fille, tu as fait fort. Ma copine. Thank you.
Alors, vraiment, merci pour cet accueil. Non, je suis très touché. C'est normal, tu es notre futur beau-frère et on doit t'accueillir comme il se doit. Ouais, je n'imaginais pas les Camerounais aussi chaleureux. Ah, tu n'as encore rien vu. Demain, on va te faire visiter toutes les belles plages de cette ville. Ici, c'est Crévy, mon cher. Hey, c'est vrai, ici, il y a de belles choses, à l'image de mon Yenga. Alors, comme tu n'as plus assez de temps à passer ici, est-ce que c'est pas mieux que dès demain on lance les procédures pour le mariage? Oui, je le pense aussi, il faut aller vite. Ok. Tu n'aurais pas un autre frère là-bas qui cherchait une femme? Va là-bas. Enfin, ceci, regarde, les gens nous regardent. Alors, comme ça, tes parents sont décédés il y a longtemps? Oui. Mon père est mort il y a cela 6 ans, je faisais la classe de terminale. Ma mère est morte 3 mois plus tard. J'ai dû tout abandonner pour m'occuper de mes petits frères. Tu as des frères? Ouais, j'ai des frères. Ils sont à l'internat, à 60 km d'ici. Tu auras peut-être l'occasion de les rencontrer avant le mariage. Mais ta tante, elle n'a pas pu vous donner un coup de main? Si, mais elle aussi, son mari est mort. Elle devait bagarrer pour récupérer tous les biens de celui-ci. Et dès qu'elle a pu entrer en possession de tout ça, c'est comme ça que ma situation aussi s'est arrangée. Regarde par exemple le studio là où je vis. C'est elle qui me l'a offert. Ah, elle a bon cœur. Ouais. Un ingénieur en France gagne beaucoup d'argent. Ça dépend. Elle est vraiment belle, cette plage. Voilà. Hein, Momo? Il me donne envie, Mola. Si on allait boire une bière. Les choses sont même à quel niveau chez toi? Non, ne stresse pas, maman. On a légalisé tous les papiers. On a même déposé à la mairie. Donc, tout ce qui reste, c'est qu'on vous appelle pour confirmer la date. C'est tout. Mais, Lydien, ton blanc, là, tu le sens comment? Non, là, vraiment, ton type, là, est bizarre. Je ne sais rien de lui. Il parle très peu de lui. Et puis, moi... Non, ne stresse pas, maman. Ne stresse pas. Je t'ai dit, les blancs sont toujours méfiants. Toujours méfiant. Je te dis, cette affaire va marcher. Moi, Moula. Fais-moi confiance. Ça va, Waka. Yenga! J'ai très envie de toi.
Approche. Approche. Non, viens ici. Là-bas. Hey! Journaliste! Journaliste sexuel, oui! Hey! Malchance! C'est comment? Tantine, je suis fatiguée. Ça se voit. J'ai le roi des herbes pour ton massage. Tu en as vraiment besoin, ma fille.
ma copine. Ça ne va pas. Le blanc là me fatigue déjà. Hey. C'est comme ça qu'il mange, il boit, il ronfle, il pisse. À chaque fois, je suis obligée de le porter sur mon dos. C'est devenu une véritable torture. Je n'en veux plus. En plus, hein, votre blanc là, c'est un obsédé sexuel. À chaque fois, il veut que je suce son gars. Le chemin du ciel est toujours tortueux. C'est au bout de la persévérance qu'il faut. Qui a le résultat? Seulement 4 jours, Tantine. Regarde comment j'ai maigri. Ma copine. Pense à la finalité. Il faut que tu sois la plus gentille possible pour que le mariage ait vite lieu. Et après ça, tu peux disparaître dans la nature. Il y a quoi? Ma coucou, il faut que j'aille aux toilettes. Fais vite, s'il te plaît. Comment ça? La torture recommence. Fais vite, s'il te plaît. Ma copine, comportement. Elle est pas là, ma doudou? J'arrive, mon cœur. Hey! Courage, ma fille. Je voudrais poser cette fois-ci la toute dernière question. Les mariés, veuillez vous lever. La première question s'adresse à M. Jean-François Dupont. Monsieur Jean-François Dupont, voulez-vous prendre pour épouse Mamzelle et Yenga Divaï? Oui, monsieur le maire, je le veux. Mamzelle Eyenga Divaï, voulez-vous avoir pour époux Monsieur Jean-François Dupont? Je le veux. Oui, monsieur le maire, je le veux. Oui, je le veux, monsieur le maire. Et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous unis par les liens de mariage. Veuillez vous embrasser. Déjà quoi comme ça? C'est le maître de pistache pour ta soeur. Tu sais qu'elle part bientôt. Il lui faut des provisions. On t'a dit qu'on mange les maîtres de pistache là-bas. Est-ce que c'est pour eux que je fais ça? C'est pour toi. Tu sais, les gens là-bas mangent de ces choses bizarres. Quand je regarde seulement ce que Jean-François mange souvent ici, je peux imaginer la suite. Jean-François lui fait des efforts. Il mange tout ce que nous préparons. Mais là-bas, tu vas voir le Kwemou. C'est pour ça qu'il lui faut des réserves. Ok. Tante Rima, je t'ai apporté les actes. Tu sais qu'à la dernière minute, on est souvent trop pressé, donc tu peux les oublier.
parle déjà comme les blancs. Ma copine est devenue une dinguée. Ma copine, ne nous oublie pas seulement là-bas. Je vous oublie que j'ai encore qui. Ma copine, regarde, tu vois ça. Ce sont les choses que Rihanna porte souvent là, non? Tu m'envoies ça. Ça, c'est ce que Beyoncé porte souvent. Tu vois, avec mes formes généreuses là, ça va m'aller, non, ma copine? Hein? Tu m'envoies, regarde. Moi, je veux seulement de l'argent pour refaire ma maison. Ce que moi, je veux, c'est le moyen de marcher avec les autographes de toutes mes stars. Voilà ce à quoi il peut s'intéresser. Au lieu de demander les livres pour l'école. J'ai dit à la mère, le maillot de Marseille. Est-ce que tu sais qu'un seul maillot de Marseille achète tous tes livres là? Tais-toi! Bonne chance. Au fait, votre départ c'est pour quand? La 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 oh Champs-Élysées. Qu'est-ce que tu fais? Mais je range mes affaires, chérie. Il faut bien que je prépare ma valise pour ne pas m'embrouiller à la dernière minute. Et puis il faut que je garde des affaires aussi à tante Rime, Carole et puis à papy. Tiens chérie, je suis allée à l'ambassade ce matin pour prendre rendez-vous. J'espère que tous les papiers sont prêts. On n'est pas pressé, on a encore le temps. Comment ça on a le temps chérie? Je suis allée prendre rendez-vous hier. On est bien ici, pourquoi pas rester? Comment ça rester? Assieds-toi. Je t'ai pas tout dit. Je suis pas l'homme que tu crois. Je suis bien ingénieur, je suis au chômage depuis plus d'un an. Je suis fils unique, j'ai hérité de l'entreprise de mon père, mais crise mondiale faisant, j'ai fait faillite. Je suis très endetté. Pour venir ici au Cameroun, j'ai vendu le reste de mes biens. Si nous partons en France, on n'aura même pas un toit pour nous accueillir. Rien à manger, pas de travail. Pourquoi pas trouver du travail au Cameroun. Sois pas fâché. Enlève tes sales mains sur moi. Comment tu as pu me faire ça, Jean-François? Comment est-ce que tu as pu me faire ça? Tu m'as trompé. Tu nous as trompés tous ici. Chérie, comprends-moi. Arrête de m'appeler chérie. Toi et moi, le mariage, c'est terminé. Non mais Jean-François, sans blague, regarde-moi. Comment est-ce que tu as pu imaginer, même dans tes rêves les plus fous, avoir une femme comme moi? Sors de chez moi. Je te demande de sortir de ma maison. Dehors. Très vite. Dehors. 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 Sors de chez moi, Jean-François. Sors de chez moi. Sors. Sors. Sors de chez moi. Sors. Sors. Je vais te tuer, Jean-François, je vais te tuer. Je vais faire ta peau, tu es malhonnête, escroc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire ta peau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Jean-François est entêté dans son pays. En plus, il ne peut même plus rentrer parce qu'il n'a pas de maison là-bas, tu te rends compte? Quoi? Mais je vais te tuer. Oh, je vais te tuer, Jean-François. Je vais te mordre du cœur. Attends. Je te mordre. T'en vas. Laisse-le. Il va le tuer. Je vais te tuer! Elle m'a fait ça. Je l'aime. Je l'aime vraiment. Ça va lui passer.
a dû être choqué par la nouvelle. Ça lui passera. Est-ce que tu es vraiment au chômage en France? Maintenant que tu n'as plus de femme, tu n'as plus de travail, il faudra repousser les manches. Parce que chez Tante Rime, ça bosse dur. Pour le moment, voici ton lit. Je vais te trouver un drap. Tu as pu te reposer quand même? Un peu. Mais j'ai la tête qui me fait encore mal, Mola. Tiens, ça va te remonter. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ce qui est sûr, je ne peux pas retourner au quartier. Je vais faire comment avec cette honte? Comment je vais regarder les filles du quartier? Mola, Jean-François, Jean-François m'a fait! Il m'a pris pour la dernière des idiotes et moi je suis tombée comme une enfant! Viens, ça va aller. Et... arrête de pleurer, il nous a tous roulés dans la farine. Mais, je te dis, tu peux rester ici tout le temps que tu voudras. Écoute, moi, je t'ai toujours dit que je veux que tu deviennes la femme de cette maison. Mola, je crois que tu es mon vrai blanc. Hey, gars.
T'as jamais pensé à faire autre chose? Non. Si. Journaliste sportif. Tiens, drôle d'idée. C'est quoi ton club de football en France? Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain? Normal, je suis parisien. Oh. Ah, moi c'est Olympique de Marseille. Le Vélodrome, le vieux port. Finale de la Champions League. But de Basile Boli, Marseille, champion d'Europe. Ah, je t'assure que... On peut vous donner même tous les joueurs que vous voulez. Jamais le PSG ne va être champion d'Europe. Je vais comparer. Non, désolé, je parie pas. Ah, toi, tiens, un truc. C'est sérieux ton histoire de journaliste sportif? Moi, j'ai la foi qu'un jour, je serai au Vélodrome de Marseille pour faire un reportage avec Hervé Matou et puis Aimé Jacques. J'y crois fermement, hein, et je travaille tous les jours pour cela. Ça, j'aimerais bien voir. Tu veux voir? Ouais. Tu veux voir? Ouais. Ok. Nous sommes ici au Vélodrome de Marseille où la France affronte l'Irlande. Zinedine Zidane qui prend le ballon. Il envoie Rémi. Rémi pour Fanny. Fanny pour Harry. Harry pour Ribéry. Ribéry pour Harry. Thierry Harry qui rit avec le ballon. Thierry Harry qui rit avec le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire, Harry? Harry, il avance. Il tire un but. La France est champion du monde. La France est champion du monde. On est champion. On est champion, on est champion, on est champion.
Jean-François, arrête de bagarrer avec les moustiques et retrouve-moi dans la chambre. Mesdames et messieurs, tout est à refaire dans cette équipe. Tout est à refaire. On a injecté du sang neuf, mais je vous dis, tout est à refaire. Et la pauvreté du papa en a subi un coup. Mais je crois qu'avec les nouveaux joueurs, nous le disons souvent, peut-être ça serait une nouvelle génération. Et les choses iraient mieux. Je veux dire, la sorcellerie te fait quoi? Sors! Sors de ma maison! La sorcellerie te donne quoi? Fainéant! Tu peux pas te trouver une petite? La photo de papa a disparu. Marco, Marco, c'est très grave. C'est très grave. Tante Rime. Tante Rime. Tante Rime a pris ton blanc. Alors là. Je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait de mes propres yeux. Main dans la main. Barré collé. La vieille là. Dormez là. À la rue et moi je l'ai ramassé et redonné goût à la vie pendant que tu t'envoyais en l'air avec ton sangoku de moniteur. Pardon, ne me mêlez pas à vos saletés. Tu entends, hein? Tu aimes pas une grand-mère comme ça? Attends, là tu prends pour le mari d'autrui. Tu n'aimes pas, hein? Est-ce que j'en fabrique? J'ai le moule. Quelqu'un ne peut plus aussi manger et essuyer la bouche. Vraiment, tu as vendu la honte au chien. Dieu le matin, Dieu à midi, Dieu le soir. Et c'est ton Dieu qui t'a dit que va seulement trouver le mari de ta propre fille. Vraiment, je dis, hein. Allez, allez. Je dis, hein. La sorcellerie vous demande son quoi. Le bon blanc, on ne le cherche pas, il vient seul. Mais chez toi, tante Rime, le blanc, on le folle. La jalousie te ronge depuis. Quelle jalousie? Combien de fois je t'ai demandé de te calmer et d'être patiente? Tu étais derrière, tu courais derrière les miettes. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Et toi, entre là-bas. Si ce n'est que ça, je te le laisse à crédit. Un vieux malhonnête comme ça. Je veux voir comment tu vas finir avec ton pauvre blanc là. N'est-ce pas ton sangoku aux cheveux de feu est honnête? Il est là toute la journée à courir derrière toi pour des miettes. Oh madame, ne me comprends pas, je ne suis pas sauvage comme toi. Sauvage. Je ne suis pas sauvage comme toi. Sauvage. Mais si vous... Arrête. Un enfant qu'une femme a mis au monde, 9 mois dans le ventre, regardez ce qu'il est devenu. Tu me traites de sauvage, n'est-ce pas que j'ai soigné tes vaches? En tout cas, tante Rime, l'histoire là ne va pas se terminer comme ça. Je vais vous nuire. Tu vas nuire qui? À moi, même à toi. Passe à la boule, on va aller au tégame, si vous t'en. Tu vas nuire qui? Toi. Toi, tu peux me nuire? Oui. Regarde-toi. Regarde-toi, Yenga, tu n'as pas honte. Un enfant que j'ai soigné, que j'ai élevé. Je dis, hein, Yenga, quand tu faisais tes avortements là, qui était à tes côtés pour te soutenir? C'est moi. Aujourd'hui, tu dis, je vais te nuire. Je vais te nuire. Si tu veux faire quelque chose, rentre à l'école pour apprendre à écrire ton nom.
Vois-moi quelqu'un. Toi, tu peux écrire le mot quelqu'un. Toi là. Regarde-moi mal élevé. Sortez de ma maison avec vos sales pieds. Oui, tentez du monde, ça va. Mais vous, restez ici avec votre pauvreté. Regarde-moi ça. Et pardon, partez. Moi, je vais te faire un bois, maman. Allah, je te dis. Moi, regarde-moi bien. Petite sorcière. Sortez tous. Allons, avec les petites fesses de bébé. Allez-y, je te fais la main. Je vais te faire. Moi, allez-y. Je vais te faire. Regarde-moi bien. Sorcière. Sors de ma maison. C'est quoi? Prends le pied à la tête. Attachez-vous. C'est la commissaire. Voleur de mari. Petite bandite. C'est encore rien, lui, c'est un bois, mon gars! Je t'ai menti, elle existe, non? C'est un bois, mon gars! Comment? Là, le match était très compliqué. Toi, tu me fous la paix! Tu me fous la paix! La journée. Que t'est-il arrivé? Papy et moi, nous t'avons fouillé partout. Où sont tes nouvelles béquilles? Mais parle!
Thomas. Je t'ai menti. Je ne suis pas au chômage. Je suis un chef d'entreprise en activité. Et de plus, je ne suis pas handicapé. Attends un peu. Tout ce que tu as dit à Yenga, là, c'est le mensonge. Oui, j'ai menti. Quand j'ai rencontré Yenga sur Internet, je suis tombé follement amoureux. Quelques jours avant mon départ, un de mes collaborateurs m'a fait lire un article sur les Camerouineuses. Ça m'a complètement déstabilisé. J'ai donc décidé d'opter pour la stratégie de l'handicapé, pour voir le vrai visage de Yenga. Et je ne me suis pas trompé. Mais rassure-toi, depuis j'ai rencontré une Camerounaise qui n'est pas une Camerouineuse. Elle est pleine de charme, pleine de cœur. Madame Rime, souhaiteriez-vous venir avec moi en France, passer la fin de vos jours? Jean-François est un menteur. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien. Ton blanc, il marche. Et il est riche. Il se promène en limousine avec des gardes du corps. Et de sur quoi? Il s'envole tout à l'heure pour Mbeng. Avec qui? Tante Rime et papy. Carole, de quoi est-ce que tu es en train de parler là? Je te parle de Jean-François. Mon Jean-François? Ton Jean-François. Attends, Carole. Tu sais que je n'aime pas les blagues de mauvais goût, non? Moi, je t'ai déjà fait une mauvaise blague. Je t'ai déjà fait une mauvaise blague un jour. Mola, tu es où? Pardon, viens ici, c'est très grave, c'est très grave. Il s'agit de Jean-François. Ok. Jean-François, non. Je ne peux pas accepter ça. Il faut que... Mais tu vas où? Viens, on s'en va là-bas. Viens, on va. Enga. J'ai su que à 19h45 on sera là-bas. Il faut que je voie quand même la finale de Marseille en direct. Rassure-toi, on y sera. Papy? Tiens, papy, on a une surprise pour toi. Le maillot de Marseille? Oui, le maillot de Marseille. Les chicots pour le Vélodrome? Allez-y, merci! Eh oui, population de Mbouamanga, l'histoire va s'écrire. Je serai au Vélodrome de Marseille, les amis. Je serai au Vélodrome. Ah là 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 là. Papi!
Papi, 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 laissez-moi, laissez-moi. C'est un bandit. Là, mon mari qui est en train de partir, je pars. Yeah.